Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule du cours d'histoire. On va aborder aujourd'hui le style international. Dans le fond, comme je vous disais la semaine dernière, le style international, c'est un peu la continuité du mouvement moderne. C'est en fait le mariage des idées du Bauhaus, qui est un peu le fondement du mouvement moderne, avec les techniques de construction en acier et en verre qui sont propres aux États-Unis, qui sont propres à l'école de Chicago. C'est un peu finalement l'arrivée des architectes européens formés au Bauhaus, qui ont suivi l'idéologie du Bauhaus et qui sont venus poursuivre leur carrière aux États-Unis, qui ont développé une technique légèrement différente de ce qui se faisait en Europe, mais en fait essentiellement la même chose. C'est aussi le résultat des réflexions du SIAM, j'y arrive. C'est le SIAM, c'est un groupe de réflexion d'architectes. L'expression style international, elle arrive à peu près dans les années 30 pour la première fois. Entre autres, Philip Johnson va utiliser ce terme-là. Philip Johnson a travaillé pour le MoMA, le Museum of Modern Arts de New York, et a été le curateur d'une exposition super importante en architecture au MoMA, et où on faisait finalement la démonstration du mouvement moderne. À travers tout ce que je vais vous montrer, donc dans le cours aujourd'hui, on n'est pas tant dans une grande idéologie que plus un tour de table des grands architectes de l'époque et de ce qu'ils ont fait comme œuvre marquante au XXe siècle. À travers tout ça, on pourrait aller un peu plus loin puis procéder à une analyse plus fine. Certains vont s'approcher un peu plus de ce qu'on pourrait appeler du rationalisme, certains autres du minimalisme, parfois du brutalisme, un peu comme le bâtiment de Breuer à New York. Puis d'autres bâtiments de béton. Mais je n'irai pas là-dedans. Gardez à l'esprit que tout ça fait partie de la grande famille du mouvement moderne et un peu plus particulièrement aux États-Unis avec le verre et l'acier, ce qu'on a appelé le style international. Donc, les CIAM, Congrès internationaux d'architecture moderne, c'est un groupe d'architectes qui vont faire la promotion de l'architecture, vont faire la promotion de l'urbanisme fonctionnel. Le Corbusier fait partie du groupe, c'est un des piliers du groupe. Leur idée, c'est d'améliorer les conditions d'existence dans la ville moderne par un épanouissement des humains. Le Corbusier va concevoir le pavillon des temps nouveaux pour promouvoir l'idéologie derrière ces fameux congrès. Il va y avoir de la publication autour de ça. Le nom lui-même vous fait comprendre un peu qu'on regarde vers l'avenir, on regarde vers le futur, appelé un bâtiment le pavillon des temps nouveaux, hein, ce qu'on fait un peu table rase sur ce qui s'est passé précédemment. Et je vous amène à un projet qui est un peu une classe à part dans tout ce que je vous montre aujourd'hui. C'est pas tout à fait dans le style international. C'est un bâtiment qui est résolument moderne, la Maison de Verre construite en 1931 à Paris par Pierre Charreau. Vous avez le lien pour une vidéo de 12 minutes. Je vous demande sérieusement de le regarder, même si c'est un petit peu long. 12 minutes, c'est fantastique. Cette maison, elle est incroyable, surtout pour l'époque, surtout à Paris. C'était, si je ne m'abuse, un vieil hôtel particulier qui a été partiellement détruit pour être retravaillé. Une façade de verre comme ça dans les années 30, jamais personne n'aurait osé faire ça. En fait, très peu même l'ont fait par la suite, mais ils l'ont fait ben, plus tard. On va voir dans les années 80, 90, on va voir de ça. Mais à l'époque, on est à l'entre-deux-guerres, c'est novateur, très, très novateur. C'est un petit bijou de projet à l'intérieur. C'est aussi ultra intéressant, autant par la gestion des espaces, il y a des doubles hauteurs. On arrive à l'entrée, il y a un petit cabinet pour M. Charreau, pas M. Charreau, Charreau c'était le designer. Le propriétaire, c'est un docteur. Donc, il y a une porte spéciale pour son cabinet, il y a une autre porte d'entrée à part pour les gens de la maison et pour les invités de la maison. Un escalier métallique suspendu avec des panneaux de verre tout autour. Un espace salon, double hauteur, structure d'acier apparente, peinturée. Vraiment quelque chose d'impressionnant pour l'époque.
Là, je vous amène avec Frank Lloyd Wright. On a déjà parlé de Wright quand on a fait l'école de Chicago et les Prairie Houses. Donc, Wright, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il fait plein de projets. Il s'est fait connaître avec les Prairie Houses, qui est des maisons, projets résidentiels, faits sur le long, pour épouser justement la forme très, très horizontale des prairies. Et là, je vous montre les projets qui sont plus vers la fin de sa vie, des projets beaucoup plus audacieux, je vous dirais. Un des plus importants, ben, je vais arriver, c'est Falling Water. Ben, juste avant ça, Ennis House, ici à Los Angeles. Pour ceux qui sont fans de cinéma et de séries télé, cette maison-là a été utilisée dans le film Blade Runner, le premier, donc ça fait quand même assez longtemps. Donc, vous avez deux pastilles, pastille rouge, pastille bleue. La rouge vous amène à une vidéo de 10 minutes qui vous fait des liens entre la maison et son utilisation au cinéma et à la télé. Ceux qui ont suivi la série Westworld, la plus récente, là, pas la vieille série, cette maison-là a été utilisée abondamment dans Westworld. Mais au-delà du lien entre le cinéma et la maison, bien, on vous explique un peu aussi pourquoi cette maison-là a été construite, pourquoi on a des liens avec l'architecture mortuaire des Mayas. Il y a un lien avec la vie de Frank Lloyd Wright, qu'est-ce qui lui était arrivé à cette époque-là. Puis c'est une maison pour une veuve, en fait. La pastille bleue, c'est une vidéo plus courte, 3 minutes, où on fait une visite un peu plus classique de la maison. Je vous amène ensuite à Falling Water, qui est le projet, ben, en fait, on va dire le projet fort de Frank Lloyd Wright, mais ce n'est pas vrai. Il y en a un autre tout aussi significatif, qui est le Guggenheim à New York. Wright a fait énormément de projets qui sont devenus des icônes de l'architecture. Falling Water en est un. La petite histoire veut que l'architecte a gribouillé une perspective quelques heures à peine avant sa rencontre avec le client qui lui avait demandé de designer une maison sur le site, justement. Et il s'est dit, ben, tant qu'à faire, on va faire la maison qui va surplomber la chute d'eau. Il y a tout un lien entre la nature et l'être humain, comment est-ce qu'on intègre un bâtiment dans la nature. C'est une intégration très réussie ici aussi. Deux pastilles encore une fois. La rouge, c'est un petit 4 minutes où vous avez un 3D en CGI. Et dans le fond, on fait le tour du bâtiment. Vous allez voir tranquillement le bâtiment prendre forme, puis se construire, prendre vie sur le site. L'autre pastille, la bleue, c'est un 4 minutes. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est des gens qui sont allés en drone, donc c'est quand même relativement récent. On n'avait pas ce genre de point de vue-là il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et là, on a des points de vue filmés à des endroits justement inédits pour voir la maison, comment elle surplombe l'eau, comment les terrasses s'articulent tout autour de l'espace extérieur. Falling Water a quand même ce côté aussi horizontal, un peu comme les Prairie House de la première époque de Wright. Mais on est ailleurs ici. On a quand même des choses qui restent. Un architecte évolue, mais il y a des choses qui restent fondamentales pour Wright, entre autres. Il y avait le foyer. Hein, on le voyait dans toutes les maisons des Prairie House. Le foyer est une pièce centrale, un élément central, en fait, de ces maisons. C'est encore la même chose ici avec Falling Water. Mais là, vous allez voir. Je vous amène à un autre bâtiment qui est encore, peut-être encore plus innovateur. Un bâtiment qu'on connaît un peu moins, il est moins grand public celui-là. Okay? Le Johnson Wax Building, dans les années 30. Deux choses de particulières. Premièrement, la tour de laboratoire avec sa structure centrale et une peau extérieure. Et l'autre partie qui est assez impressionnante, c'est la grande salle de un ou deux étages. Vous l'entrevoyez de l'extérieur. Alors, regardez l'image qui est en haut à droite et regardez les espèces de cercles que vous voyez sur la toiture ici. Okay? Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner de l'intérieur. De l'intérieur, regardez l'effet fantastique. Donc, les structures deviennent des espèces de tulipes qui vont s'évaser vers le haut.
qui vont prendre forme avec la toiture. Une toiture qui est un mix justement d'un élément solide et de plusieurs éléments, en fait, de pans de fer pour baigner l'espace au complet de lumière. Ça a pris 3 ans à construire. Ça a été encensé par la critique quand ça a été inauguré. C'est vraiment un bâtiment très impressionnant. Et là, j'arrive au fameux Guggenheim Museum à New York. Ça aussi, sérieusement, on sait que New York, c'est une ville progressive, il y a plein de choses, il y a de l'innovation tout le temps, mais malgré tout, pour l'époque, donc on parle de 1943, là, la première construction, il va y avoir des agrandissements, il va y avoir des modifications par la suite, mais c'est très futuriste, disons-le comme ça, là, c'est très novateur pour l'époque. Donc, l'espace muséal en soi est une hélice. Voici ce que ça ressemble. Donc, on arrive au rez-de-chaussée dans un immense espace ouvert, un grand hall sur plusieurs étages qui culmine avec la verrière que vous voyez en haut, l'image centrale en haut. Et il y a plein de choses de super intéressantes pour un musée avec cette façon d'avoir construit le Guggenheim. Toute la façon dont on fait l'expérience d'une exposition qui est complètement remis en question ici. Donc, contrairement au musée que vous avez peut-être déjà visité jusqu'à maintenant, où on a une succession de salles, on va passer en enfilade finalement, on va passer d'une salle à une autre, à une autre. Au Guggenheim, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, l'idée de Wright, c'est on arrive au rez-de-chaussée, on prend l'ascenseur pour aller jusqu'en haut, et à partir de là, on fait une promenade dans l'hélice, qui est une rampe. Et donc, on va tranquillement descendre. Ne faites pas l'erreur, si vous allez à New York, de monter la rampe. Vous pouvez bien le faire si vous voulez, mais l'idée, ce n'était pas ça, c'est de partir du haut. Hein, soyons paresseux un peu, et on va descendre tranquillement, sans se forcer. Et à mesure qu'on descend, il y a des niches tout autour de la rampe où là, les œuvres sont installées. Vous avez deux petites pastilles là aussi, deux petites vidéos de 3 minutes. La rouge, c'est une vidéo qui a été faite pour le 50e anniversaire du musée. Donc là, on regarde plus la muséographie, comment le bâtiment a sa pertinence, surtout quand il va faire des expositions d'installation, de sculptures, où là, ça prend forme dans l'espace. Et la bleue, c'est un autre petit 3 minutes, mais là, c'est l'équipe de préservation du bâtiment qui va vous parler, qui va vous décrire un petit peu le Guggenheim. Ensuite, quelques images des case study houses. Cas particulier, les case studies, dans le fond, on est un peu... on est après la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs soldats qui reviennent. Alors, les différents pays, les gouvernements essaient de réfléchir à comment est-ce qu'on va loger tous ces gens-là qui reviennent au pays. Au Canada, il y a eu aussi des projets. Il y a des petites maisons d'après-guerre à Montréal. Aux États-Unis, il y a des architectes qui réfléchissent à l'idée, d'où le titre « Case Study ». Donc, c'est des études de cas. Comment est-ce qu'on pourrait faire des maisons résolument contemporaine, comment est-ce qu'on peut repenser l'habitat et comment est-ce qu'on peut le faire aussi de façon un peu préfabriquée, parce que là, on va avoir plein de gens, on va avoir besoin de loger beaucoup de monde. Ils ne vont pas en faire à ce point-là, donc ils ne vont pas vraiment répondre à la demande avec ce genre d'études, mais ça l'a fait en sorte de permettre de créer des petits bijoux de maison. L'idée, c'était d'utiliser des matériaux, des techniques qui étaient issues de la guerre, des maisons qui se détournent un peu de la route, qui vont s'ouvrir sur des cours intérieurs, vont s'ouvrir sur le paysage. On veut aussi, comme je vous disais, développer des éléments standardisés, donc travailler avec la préfabrication. Ceux qui ont réfléchi à l'idée des case studies vont solliciter différents architectes parmi les plus grands de l'époque, Richard Neutra, entre autres, Charles et Ray Eames, Eero Saarinen aussi. Saarinen, je vais vous en parler à la fin de ce vidéo. Au total, 36 maisons vont être construites. Donc, comme je vous disais, on n'a pas répondu à la demande du tout avec ça, mais ça a permis de réfléchir à l'habitat.
Une des plus importantes de la gang, je vous dirais que c'est la maison de Charles Eames, le case study numéro 8. Et là, vous voyez les panneaux préfabriqués. Et je vous dirais, vous pouvez quand même assez facilement faire des liens avec le pavillon Le Corbusier à Zurich, que je vous ai montré dans le cours précédent, où Le Corbusier travaillait justement avec des panneaux de verre, des panneaux métalliques, une trame. Puis là, ils pouvaient venir insérer ces panneaux préfabriqués là-dedans. C'est un peu le même principe avec, avec Eames. Et donc, on utilise, on laisse exposer la structure. Eames, c'est quelqu'un qui va travailler le mobilier. C'est un designer industriel qui fait de l'architecture aussi un peu. Il y a la fameuse chaise, en fait, la chaise pardon, jaune que vous voyez là. Elle est connue, elle a été copiée et recopiée et recopiée. Vous en avez plein de versions. L'original est encore disponible. On peut l'acheter. Faite par Knoll, si je ne me trompe pas. Donc, une compagnie qui fait encore du mobilier, qui fait du mobilier là, de designer assez connu. La maison de Richard Neutra, ben, pas sa maison, mais la maison que lui a designée à Palm Springs. Les maisons des case studies, je vous les montre juste pour le plaisir de regarder de l'habitat qui est bien construit et qui est bien réfléchi, mais je ne vais pas nécessairement dans le détail de ces maisons-là. Mais vous remarquez quand même, hein, quand je vous dis qu'on est quand même dans la grande famille du mouvement moderne et du style international, l'utilisation du métal, du verre, les formes épurées, il n'y a pas d'ornementation, pas de fioritures, on est dans des lignes pures, dans des gestes clairs et simples. Une autre petite maison de Greg Elwood, elle aussi très travaillée dans la préfabrication parce que toute la maison fonctionne sur une trame avec des panneaux vitrés, des fois semi-opaques, des fois clairs, d'autres panneaux complètement opaques. Il y a clairement des influences aussi. Des influences de Miss Van Der Rohe dans le travail de cette maison, dans l'utilisation de la structure métallique apparente et la façon dont les colonnes même vont être créées. Une autre maison à West Hollywood, très particulière, surplombant la ville. Vous voyez ce que ça peut donner à l'intérieur, très vitré aussi. Et je vous amène à Ludwig Mies van der Rohe. Donc lui, on l'a vu aussi au dernier cours dans le mouvement moderne. On a vu le pavillon de Barcelone qui l'a conçu. Et je vous disais que bon, ceux qui ont travaillé pour le Bauhaus ont dû s'enfuir avec la montée du nazisme. Lui est arrivé à Chicago, il est devenu le directeur du Illinois Institute of Technology, IIT. Va faire plusieurs projets aux États-Unis. Un de ses projets, c'est cette maison-là, Farnsworth House, en Illinois, justement. Un emblème de l'architecture moderne, donc Mies va en faire plusieurs, en fait. La maison, elle est surélevée un petit peu, elle flotte dans l'espace. C'est comme une espèce d'ovni qui est déposé sur le terrain. Elle est surélevée, entre autres, parce que c'était des zones inondables, cet endroit-là. Il y a tout le temps un travail très, très minutieux. Mies disait « less is more », mais son autre adage, c'est « God is in the details ». Alors, lui, vraiment, le moindre détail est réfléchi, est dessiné et analysé. La vidéo que je vous montre, et un tout petit lien, c'est une vidéo sur les proportions de la maison. Ça dure une minute. Je veux que vous la regardiez sans faute. Je sais que j'en ai plusieurs vidéos de proportions, mais elles sont intéressantes parce que finalement, ça vous montre un peu ce que je veux que vous fassiez comme travail d'analyse pour votre projet. Là, vous allez voir que c'est quand même assez poussé. Il n'y a pas une ligne qui est laissée au hasard dans cette analyse. Vous allez voir aussi que l'analyse, ça va vite. Hein. Mais vous allez comprendre que finalement,
au-delà, là, vous allez voir qu'il y a des cercles qui sont rabattus pour créer des rectangles, des rectangles d'or, des carrés parfaits. Mais au-delà de comment tout ça a été créé, vous êtes capable de comprendre aussi la recherche de proportions, d'essayer de comprendre l'utilisation des proportions en regardant cette vidéo-là. Vous allez comprendre comment les proportions ont été utilisées pour concevoir le projet. Un autre projet phare de Miss Vandero, c'est le Seagram Building à New York. Même chose, la petite vidéo que vous avez là est un peu plus longue, c'est 3 minutes. Vous pouvez la regarder peut-être plus rapidement, mais ça va vous montrer l'utilisation des proportions, autant au niveau du plan qu'au niveau des élévations. L'histoire avec le Seagram, c'est une histoire quand même assez intéressante. Seagram, c'est la compagnie de boissons Seagram. Qui est propriétaire? C'est les Bronfman. Monsieur Bronfman est Montréalais, en fait, d'origine. Sa fille, c'est Phyllis Lambert, donc celle que vous voyez au milieu de la diapo. Phyllis Lambert, à l'époque, c'est un peu le mouton noir de la famille, donc c'est tous des gens ultra riches, on s'entend, qui vont faire plutôt des études de droit, de médecine, dans business, des MBA. Elle s'en va à Paris pour étudier les arts, déjà là. Elle casse un peu la baraque. Elle va apprendre que son père veut construire un siège social à New York pour sa compagnie. Elle lui écrit pour lui dire, écoute, tu ne peux pas nous faire un bâtiment comme on s'en fait tout le temps. Il faut que tu te démarques, il faut que tu fasses quelque chose de particulier. Je te propose de m'occuper de tout ça. La lettre n'a pas bien été accueillie la première fois, mais elle récidive, puis ça finit par fonctionner. Donc, c'est elle qui va aller chercher Miss Vandero puis Philip Johnson. Ces trois-là, ensemble, vont travailler sur le Seagram Building. Pourquoi je vous parle de Phyllis Lambert? Pourquoi c'est important? Phyllis Lambert, bon, donc non seulement c'est elle qui a permis que Miss travaille sur le Seagram, elle est montréalaise, c'est elle qui a fondé le Centre canadien d'architecture. Donc, c'est une figure importante, très importante de l'architecture du 20e et du 21e siècle. Le CCA, c'est un centre de renommée internationale qui est super important. Il y a des archives fantastiques à cet endroit-là sur l'architecture. Et donc, juste une dernière petite chose sur le Seagram. Pourquoi il est si particulier? Bon, je vous ramène à ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que New York a un règlement de zonage qui fait en sorte que quand vous construisez en hauteur, vous avez le droit de vous mettre au niveau du trottoir pour un nombre X d'étages. Après ça, vous devez faire un recul et un recul et un recul. Donc, ça finit par faire des gratte-ciels un peu pyramidales. Bon, Miss Vandero, il est hors de question de commencer à faire ce genre de choses-là. Hein, la pureté du geste, c'est de faire une seule forme à la verticale. Donc, ils font des compromis avec la ville et c'est les premiers qui font ça. Ce que Miss Lambert et Johnson vont proposer, c'est de dire à la ville, écoutez, on ne va pas occuper l'entièreté de notre terrain. On va laisser une immense portion à l'avant, qui va être une plaza publique pour tout le monde, pour tous les gens de New York. Mais en contrepartie, vous nous permettez, puisqu'on a pris un grand recul, de construire notre tour complètement, un beau rectangle parfaitement vertical, aucun recul nulle part. Ils ont réussi à faire passer cette proposition. Miss va aussi travailler à Berlin. Et là, on est pas mal après la guerre. Donc, ils vont revenir en Europe pour un grand projet, la New National Gallery, qui est une galerie d'art contemporaine, qui est un peu le penchant de l'Altes Museum à Berlin, qui était le musée des beaux-arts de Berlin. Je vous fais un petit parallèle hein, à gauche entre la colonne classique grecque et la façon dont Miss Vandero va utiliser la colonne. Donc, il utilise la colonne, il utilise le même principe, mais il va épurer le geste. Sauf que la façon dont il va faire tenir son bâtiment, ça vient du même principe que ce que les anciens faisaient, les Grecs et les Romains, de fonctionner avec des colonnes qui vont soutenir une toiture. On ne réinvente pas la roue complètement. Okay? On modifie le geste. Ici, on fait des choses qui sont, oui, résolument différentes de ce que les anciens faisaient jusqu'à un certain point.
Ce qu'il y a d'assez impressionnant techniquement, c'est qu'il n'y a aucun mur porteur dans ce projet-là. C'est uniquement les colonnes. On a 8 colonnes qui vont supporter, puis des parois de verre un peu, qui vont supporter toute l'immense toit caisson que vous avez devant vous. Je vous fais un tout petit clin d'œil, une petite parenthèse sur les collages. Donc ça, c'est des images, des perspectives que Miss lui-même faisait pour ses projets. Fait que des fois, je les trouve toutes intéressantes. Celle en haut à gauche, bien, dans le fond, c'est une photo d'un espace assez industriel. Et c'est juste un jeu de collage de formes pour créer différents plans, pour représenter finalement ce qu'il veut faire comme projet. On est vraiment dans de l'image, on est vraiment dans une image conceptuelle d'un projet, ici. Okay. Puis je vous remonte le Altes Museum pour vous dire que justement, il y a un certain clin d'œil au Altes Museum, mais un contraste quand même assez flagrant entre ce vieux musée à Berlin et le nouveau que Miss Van der Rohe a conçu. Miss Van der Rohe est directeur du IIT, et donc Illinois Institute of Technology, excusez-moi. Et il va aussi concevoir plusieurs des bâtiments de l'université. Fait que je voulais juste vous montrer un peu. Fait que vous voyez qu'il ne fait pas que du gratte-ciel. Il fait différentes formes de projets, mais toujours la même signature, si on veut, l'utilisation de l'acier, des colonnes structurantes et des panneaux de verre pour épurer le geste. Ce qui nous amène à Philip Johnson. Philip Johnson, c'est quelqu'un qui va suivre les époques puis qui va s'adapter avec les époques. Donc, plus jeune, il embrasse le mouvement moderne, il va travailler avec Miss Van der Rohe. Vous allez voir qu'il y a une influence de Miss dans les projets de Philip Johnson. Mais Philip Johnson, par la suite, va être un des précurseurs du postmodernisme aussi, même du déconstructivisme. Donc lui, il ne va pas s'arrêter à une seule façon de faire. Il va se donner la liberté d'embrasser plusieurs styles tout au long de sa carrière. Philip Johnson, c'est aussi celui qui a dit « less is a bore ». Donc lui, au début de sa carrière, le « less is more » de Miss Van der Rohe, il va l'accepter. Puis à un moment donné, il va casser ça. Il va avoir une rupture avec ce qu'il faisait précédemment. Quand il va embarquer dans le postmodernisme, on en parlera au prochain cours. Vous allez voir, la différence est quand même assez flagrante. C'est lui qui a créé le département d'architecture du MoMA, du Museum of Modern Arts, à New York. Il va en être le directeur de 1930 à 1936. Et un de ses grands projets, c'est la Glass House qu'il a conçue en 1949. Il a acheté le terrain en 1946, un terrain de 5 acres. Puis tranquillement, il va acheter tous les autres voisins, puis il va finir sa vie là. Donc, il va vivre dans cette maison-là de 1949 à 2005, l'année de sa mort. Le terrain, finalement, va être une cinquantaine d'acres. Donc, il va acheter tranquillement et il va retravailler tout le terrain. Donc, le terrain qui a l'air naturel, bien, finalement, c'est lui qui se met à jouer un petit peu avec la topographie, avec des murets de roche ici et là. Il va placer des sculptures un peu partout. Et le lien de vidéo que je vous donne, allez voir ça, c'est juste 3 minutes. Mais c'est Philip Johnson, à la fin de sa vie, qui nous présente son projet, qui nous présente sa maison. Donc, il va nous amener, il va rentrer par la porte d'entrée, il va nous dire « voilà, quand on arrive, on est dans le salon », il va nous montrer sa cuisine, sa salle à manger. C'est quand même de toute beauté de voir quelqu'un avec autant d'expérience, qui a été autant influent pour l'architecture, qui est là un peu, qui est en fin de carrière, qui est en fin de vie, puis qui nous parle clairement encore avec amour de ce projet, qui est sa maison à lui. Puis qui dit quelque chose à la fin qui est quand même assez, assez fantastique. Il dit « Je m'assois à la table et là, j'ai une vue 360 parce que c'est glass house, c'est que de la vitre. Hein? C'est tout vitré partout, quatre côtés. » Et il dit « Je peux regarder partout. » Puis surtout, la vue au nord,
parce que là, vous allez voir, il y a son foyer, puis il y a quelques plans de mobilier. Fait que c'est un peu comme une composition d'une toile que je regarde. Puis tout autour, ben j'ai une tapisserie, hein, parce que dans le fond, c'est la forêt autour qui est la tapisserie. Puis il dit, ben bon, c'est une tapisserie qui est quand même dispendieuse, hein, parce que acheter des terrains, ça coûte des sous, on s'entend. Mais il dit, c'est quand même une belle tapisserie. C'est fait que finalement, c'est ça. Lui, son visuel, c'est la nature. Cette maison-là, contrairement à Farnsworth House de Miss Van Der Rohe, elle n'est pas déposée comme un espèce d'objet à part. Elle est vraiment ancrée sur le terrain. Elle est ancrée au sol. Il a fait exprès de mettre ça en noir aussi, un peu pour l'ancrer à la terre. Et je dirais 9 fois sur 10, quand on parle de la Glass House, on ne montre que ce projet. Mais la Glass House n'a jamais été conçue comme un seul élément, en fait. Il y a deux maisons qui ont été construites en même temps, la Glass House et la Brick House. Donc, vous voyez en bas, ici, à gauche, vous avez la deuxième maison. Et l'une est carrément l'antipode de l'autre. La Brick House, il y a une seule fenêtre à l'arrière, un hublot, et c'est tout. C'est complètement opaque. Et la Glass House, c'est l'inverse, c'est complètement vitré. Et l'idée de la Glass House, c'est pas... Il n'y a pas une question de voyeurisme ici. Okay? L'idée, ce n'est pas de se faire voir. Parce que de toute façon, il a acheté 5 acres, il n'y a pas de voisin. Là. Puis il a continué à acheter. L'idée, c'est plutôt d'être dans sa demeure et d'avoir comme point de vue toute la nature autour. C'est vraiment ce que l'architecte dit dans la vidéo. Je me suis payé une tapisserie de luxe. Je me suis payé une forêt, finalement. Et ça ressemble un petit peu à ça à l'intérieur. Le seul élément qui est opaque dans la maison, c'est le foyer ici, circulaire. De l'autre côté du foyer, c'est la salle de bain, toilette, douche, lavabo. Puis sinon, tout est vitré. Ensuite, je vous amène à un autre architecte très important de l'époque, Alvar Aalto. Alvar Aalto, c'est peut-être le plus célèbre architecte et designer finlandais. Il est aussi pionnier du design organique. Donc, lui aussi, il va faire du mobilier, il va même faire des objets du quotidien. Le vase que vous voyez ici, qui est juste à gauche du portrait, finalement, de Aalto, c'est un vase ultra connu dans le monde du design industriel, qui a été édité et réédité. Vous pouvez l'acheter encore de nos jours. Donc, lui aussi, il va utiliser les idées du mouvement moderne, mais vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus organique. Il se donne une liberté de geste. Il ne va pas être aussi strict que Miss Van Der Rohe. Donc, il va peut-être plus ressembler à ce que Le Corbusier faisait en fin de carrière. Et il va plus jouer avec les courbes, jouer avec les formes. Un souci du détail, lui aussi. Un de ses projets phares, c'est les résidences étudiantes du MIT à Cambridge. Donc, à côté de Harvard, aux États-Unis, à Boston. Je vous dirais que de l'extérieur, ce n'est pas à tomber en bas de sa chaise. Là. C'est un bâtiment sinueux, il y a une grande courbe, faite de briques. À l'époque, l'université n'avait pas beaucoup de moyens pour construire des résidences étudiantes comme ça. Donc, Aalto est allé chercher toutes les briques rejetées des différentes briqueries aux alentours. Parce que la brique avait été trop cuite, elle avait déformé un petit peu, elle n'était pas parfaite. Donc, tous les lots qui n'étaient pas parfaits, lui, il a repris ça pour faire son projet. Donc, il y a toute une texture sur la façade. L'ironie du sort, c'est que de nos jours, 70 ans plus tard, quand on a besoin de faire des réparations, quand on a besoin d'entretenir les façades, bien là, finalement, ça coûte plus cher que d'habitude parce que retrouver de la brique un peu mal foutue comme ça, c'est plus difficile parce que les techniques se sont améliorées finalement. Fait que c'est pas mal plus rare qu'on fait de la mauvaise brique. Donc, je vous disais, de l'extérieur, il y a cette idée-là de la texture qui quand même était intéressant. Mais c'est surtout à l'intérieur que le projet a toute sa richesse. L'espace
le grand espace double hauteur avec les hublots en toiture, les puits de lumière, super intéressant, qui vient baigner l'espace cafétéria des étudiants. Le fait que tout le projet soit courbe aussi, bien, ça fait en sorte que chacune des chambres des résidences est différente l'une de l'autre. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour les étudiants qui habitent le bâtiment. Il va faire des projets en Finlande aussi. Il va faire des projets un peu partout. Ça, c'est un autre projet assez important. Lui, l'hôtel de ville de, je ne prononcerai pas le nom de cette ville, en Finlande. Où l'intérêt de ce projet-là, c'est en fait l'organisation spatiale des différents blocs. Donc, la salle du conseil qui a son plafond tout en charpente de bois, que vous voyez ici en bas. Le travail de la cour intérieure, puis le travail de l'utilisation du matériau, avec la brique qui est utilisée pour faire non seulement les murs à l'extérieur, mais les murs à l'intérieur, faire une portion des planchers, l'utilisation du bois à certains endroits. Ensuite, je vous présente Louis Kahn. Louis Kahn, il y a un film, un documentaire fait par son fils ou son petit-fils, je pense que c'est son fils, My Architect, donc sur son père, qui est assez intéressant. Malheureusement que je n'ai pas vu, mais que je pense que si vous mettez la main là-dessus, ça peut être super le fun. Louis Kahn, il est né en Estonie. Il va marquer l'arrivée du côté plus monumental dans l'architecture américaine, dans l'architecture moderne. Donc, vous allez voir que on n'est pas tout à fait dans le style international ici. Okay? Je fais une diversion. C'est quand même de la modernité. C'est dans la continuité de ce que Le Corbusier a fait. Il va faire beaucoup de projets pour des campus universitaires. Il y a un souci de monumentalité, il y a un souci d'harmonie formelle. Il travaille beaucoup sur les formes. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre ce que Louis Kahn a fait et ce que Tadao Ando s'est mis à faire par la suite également. Quelques projets, je vous dirais peut-être le plus impressionnant des projets de Louis Kahn, c'est le Salk Institute en Californie. Donc, c'est un institut de recherche universitaire qui est associé à l'université de San Diego. Ce qui est fantastique avec ce projet-là, c'est qu'il est sur le bord de l'océan. Chacun des scientifiques qui se font offrir une pièce pour aller travailler là a une vue sur l'océan. Il y a un travail très, très minutieux de l'utilisation du béton, d'où le lien avec Tadao Ando. Vous avez deux vidéos qui ne sont pas longues, c'est 2 minutes chacun. Le rouge, c'est en fait un tour complet en 2 minutes du projet. Vous allez voir de l'extérieur, vue de haut, vous allez voir à l'intérieur à quoi ressemblent les différents bureaux pour les scientifiques. Vous allez comprendre aussi le côté quand même assez épuré. Louis Kahn, un peu comme Ando par la suite, travaille avec peu de matériaux. C'est essentiellement du béton, super bien travaillé, les coffrages sont très réfléchis, les proportions aussi, et avec insertion de bois, c'est à peu près tout. Vraiment là, assez minimaliste dans son approche. Et la pastille bleue, c'est aussi un petit 2 minutes, mais là, on vous analyse un peu le béton qui a été utilisé pour le projet. C'est un béton ultra léger avec de la poudre volcanique, en fait un peu comme ce que les Romains faisaient à l'époque. Un autre projet, c'est un projet résidentiel, la Maison Fisher. Là, ici, on a un jeu aussi de proportions, un carré, un rectangle, une rotation entre les deux, la jonction entre les deux qui fait le lien entre les deux formes. Que du bois déposé sur un socle de pierre. Et le travail est dans l'organisation des points de vue, dans le travail des ouvertures à l'extérieur. Donc, vous pouvez voir un peu le côté quand même original, la façon dont les grands pans vitrés sont utilisés, les alignements. Puis à l'intérieur, ben, ça crée
des cadrages, des pièces avec une fenestration très particulière. Surtout pour avoir des fenêtres comme ça, plancher, plafond, mur à mur, comme vous voyez en haut à gauche. Un autre projet assez monumental, fait que dans la monumentalité, Louis Kahn était passé maître. Quartier gouvernemental au Bangladesh, d'où le lien que je vous faisais un peu avec, ou je n'ai peut-être pas encore fait, avec Le Corbusier à la fin de sa vie, quand Le Corbusier a travaillé sur Chandigarh en Inde. C'était un peu cette même monumentalité que Le Corbusier s'est mis à utiliser, mais Kahn, c'est un petit peu plus tard. Le Corbusier, ça s'est construit avant ce que Louis Kahn a fait. Ce qui est intéressant, il y a un mix de béton et de marbre. Donc, les lignes blanches que vous voyez, les insertions de lignes blanches dans les panneaux de béton, c'est du marbre pour venir rythmer les murs. Mais sinon, intérieur et extérieur, c'est le même matériau. Donc, il y a vraiment une économie de choix de matériaux pour donner l'emphase sur les volumes, les espaces et l'utilisation de la lumière. Il est là le travail ici. C'est sûr qu'il y a un souci du détail et de comment bien faire avec le matériau. C'est réfléchi, les proportions d'insertion, donc les rectangles sont réfléchis, mais on travaille. C'est presque un travail de sculpteur, finalement, que Louis Kahn va faire. Où est-ce qu'il va faire des trous? Comment il va organiser, juxtaposer les différents panneaux pour créer des ouvertures, pour laisser rentrer la lumière à différents endroits? À Louis Kahn, je termine avec ce projet-là, la bibliothèque Exeter au New Hampshire, qui n'est pas très loin, qui est entre finalement Montréal et Boston. Si jamais vous allez faire un tour à Boston sur le chemin du retour ou à l'aller, faites un petit stop à Exeter Library, donc qui est un campus universitaire. En fait, c'est comme pré-universitaire, en fait, Exeter. Okay. Encore une fois, économie de matériaux. À l'extérieur, on n'a que de la brique et des insertions de bois pour les espaces de lecture. C'est en dedans que ça va prendre tout un autre sens avec l'immense hall central avec la structure de béton. Les immenses ronds. À chaque fois que je vois ce projet-là et le projet au Bangladesh de Louis Kahn, ben, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec les utopistes dont on a parlé, les utopistes du 18e siècle, d'Étienne-Louis Boulay, qui avait cette vision monumentale avec des formes pures. Ben, c'est un peu ce que Louis Kahn fait finalement dans les années 60. Dernier architecte que je vous présente dans ce cours, Eero Saarinen. Donc, finalement, vous avez vu à peu près dans les introductions d'à peu près tous les architectes que je vous ai présentés, ben, ils ne font pas que de l'architecture, ils font du mobilier, ils font des objets. Donc, ils sont architectes, ils sont designers aussi. La chaise que vous voyez là, c'est aussi une chaise ultra connue du monde du design du 20e siècle, la chaise Tulip, qui est encore éditée de nos jours, qu'on peut acheter. Saarinen va se faire connaître grâce au TWA Terminal à New York. Donc, c'est à l'aéroport de New York. Il y avait un terminal juste pour la compagnie d'aviation TWA qui a fini par faire faillite. Donc, le terminal a été à l'abandon pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, ça a été racheté, ça a été transformé en hôtel. Donc, on peut maintenant aller dormir là. C'est fantastique comme projet, très futuriste en fait. Puis ça participe un peu de la vision de ce qu'on avait peut-être du futur dans les années 60. Cette idée de travail avec des courbes. Saarinen va travailler beaucoup avec du béton, mais va travailler beaucoup avec la courbe aussi. Donc, il se détache, lui, il n'est pas tout à fait non plus, on s'entend, ce n'est pas du style international, ce n'est pas la rigueur de Mies van der Rohe ou des premiers projets de Philip Johnson. On est plus... Saarinen se laisse une marge de manœuvre pas mal plus grande. Et vous avez une petite vidéo ici qui vous présente un peu de quoi a l'air le projet maintenant qui a été transformé en hôtel. L'autre projet qui est très intéressant
En fait, c'est deux projets, ça. C'est la chapelle du MIT et l'auditorium du MIT. L'auditorium, à l'époque, ce qui avait d'être très particulier, c'est que toute la toiture, l'espèce de dôme, repose uniquement sur trois points. Vous en voyez deux à l'écran, ici, ici, puis il y en a un troisième à l'arrière. Ça a été modifié par la suite parce qu'avec les années, il y a eu des problèmes de structure. On a modifié aussi le matériau du dôme, mais l'ingéniosité tenait à ça. Il est intéressant, c'est un grand auditorium, il y a plein de petits bijoux à l'intérieur, mais le projet le plus intéressant des deux, je vous dirais, c'est la chapelle. C'est une chapelle multiconfessionnelle, donc elle n'est pas, elle est pour toutes les religions. C'est une chapelle, c'est un projet super simple, c'est un cylindre de briques sans aucune fenêtre qui est placé à l'intérieur d'un fossé en béton peu profond. Dans le fond, il est inséré dans une piscine, à toute chose près. Et donc, le cylindre est parfait. Puis, il y a une portion vitrée dans le bas. Puis, à l'intérieur du projet, je vais vous montrer, vous allez comprendre. À l'intérieur du projet, là, c'est différent. À l'intérieur, on a une ondulation. Donc, tous les murs de briques, c'est comme s'il y a une double peau, finalement. Il y a une première peau parfaitement cylindrique et une deuxième peau qui est plus ondulée à l'intérieur. Et dans l'ondulation de briques, il y a un détachement avec du verre là aussi. Donc, finalement, la lumière vient frapper la piscine tout autour et elle va se faire réfléchir par l'eau et elle va rentrer indirectement par la fine strip que vous voyez là de verre. Puis l'autre, le seul autre élément lumineux, bien, c'est le puits de lumière que vous voyez ici avec une sculpture de petites pièces métalliques qui va faire finalement donner cette impression de cascade lumineuse pour l'hôtel. Quelques chaises. C'est vraiment ultra épuré. Donc, c'est un endroit pour se recueillir, pour faire différentes célébrations, mais qui peut être prêté à toutes les confessions. Il nous reste Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer a travaillé à New York, il a travaillé avec Le Corbusier sur le projet des Nations Unies. Mais son projet phare, c'est Brasilia. Donc, Brasilia, en fait, le Brésil a décidé à un moment de sa vie en tant que nation de se créer une nouvelle capitale, from scratch. Un peu comme ce qui s'est passé au Punjab et à l'époque, on avait fait appel à Le Corbusier. Donc, cette fois-ci, le Brésil fait appel à Oscar Niemeyer, à un des plus célèbres architectes brésiliens, justement. Très influencé par Le Corbusier. Donc, lui, clairement, on a un côté mouvement moderne. Justement, il a travaillé avec Le Corbusier à l'ONU, style international, un gratte-ciel très, très épuré. Il va se permettre un petit peu plus de liberté à Brasilia. Donc, il va faire des projets un peu plus courbes, un peu plus osés. On va avoir le bâtiment du Congrès. Finalement, c'est une grande terrasse avec deux volumes inversés. Puis ici, on a la cathédrale et on a le musée. Le musée qui ressemble presque à un ovni avec une rampe. Vous voyez, une rampe qui va commencer au sol. On va passer à travers le projet. On va en ressortir. On va rentrer par un autre endroit. Et il y a peut-être un petit clin d'œil à faire avec ce que Frank Lloyd Wright a fait pour le Guggenheim, où le musée était tout en rampe elliptique. Il y a un travail de rampe ici. Le dôme est un autre clin d'œil au dôme qu'il a utilisé pour le congrès de l'hôtel de ville. Puis la cathédrale, qui est une structure de béton qui arrive en pointe. Je termine avec deux projets à Montréal. On ne les fera pas tous, mais il y a quand même la place Ville-Marie, dont je vous ai déjà parlé quand on a fait nos visites. Donc, la place Ville-Marie par IMP s'inscrit parfaitement dans le style international. Donc, un travail rythmique très épuré qui fait écho à ce que Miss Vandero fait aussi à la même époque.
Puis justement, parlant de Miss Bandeiro, ben, à Montréal, il y a le fameux Westmount Square que vous avez ici, finalement, le plan d'implantation des différentes tours et qui ressemble à ça de l'extérieur. Miss va aussi travailler sur la station SO. Il va travailler aussi sur un square très similaire à Toronto, avec différentes tours. Puis voilà, pas si pire, moins d'une heure cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Dans le fond, je veux que vous reteniez les projets phares des différents architectes que je vous ai présentés. Si je pense à Oscar Niemeyer, ben, je pense à ses projets pour Brasilia. Si je pense à Eero Saarinen, ben, il y a le TWA Terminal et la chapelle du MIT, qui sont des projets phares, pardon. Si je pense à Louis Kahn, je vais penser à la bibliothèque d'Exeter et au Salk Institute. Ensuite, Alvar Aalto, les résidences au MIT. Philip Johnson, la Glass House, qui est important. Puis de savoir que Philip Johnson est un personnage hyper important pour le 20e siècle à New York. Non seulement il y a sa Glass House, qui est un projet très important, mais c'est lui qui a débuté le département d'architecture du MoMA. Il en a été directeur pendant 6 ans. C'est lui qui a travaillé avec Miss Bandeiro et avec Phyllis Lambert pour faire le Seagram Building. Justement, en parlant de Seagram Building, bon, ben, Miss Bandeiro, on retient le Seagram et on retient Farnsworth House, donc la maison blanche, qui est un peu en suspension sur le sol, qui est un pendant du Glass House, où le Glass House est un pendant de Farnsworth House. Vous voyez là, dans un sens comme dans l'autre. Les Case Study Houses, je vous dirais, retenez l'idée qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans plusieurs pays, on s'est mis à réfléchir à comment faire de l'habitation comment répondre à la demande. Puis bon, les Case Studies, ben, c'était une nouvelle réflexion sur l'architecture résidentielle en tenant compte des nouveautés, des principes de préfabrication et d'industrialisation. Frank Lloyd Wright, retenez le Guggenheim, retenez Falling Water. Puis c'est pas mal ça, je vous dirais. C'est-à-dire, on pourrait aller plus loin, puis on continue, puis continuer. Ça fait pas mal le tour. Donc voilà, bonne écoute et à la prochaine présentation.